Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le blues et je vais vous montrer comment on peut changer une note de la gamme pentatonique mineure pour sonner encore un peu plus blues. Alors, vous connaissez votre gamme pentatonique mineure, évidemment, c'est l'une des premières gammes que l'on apprend quand on joue de la guitare rock, de la guitare blues. Ici, je vais la prendre en La mineur, donc je vais avoir cette position. Alors, si je détaille un peu plus au niveau des intervalles, les notes qui constituent cette gamme, je démarre sur ma tonique, c'est mon La. Ensuite, j'ai un Do par rapport au La, c'est la tierce mineure. J'ai un Ré qui est la quarte, quarte juste. Ensuite, je vais avoir un Mi qui est la quinte juste. Je vais avoir un Sol qui est la septième mineure pour finalement retomber sur ma tonique. Bien, je vais changer une seule note de cette gamme. Et puis on va voir que finalement ça va avoir une sonorité blues très particulière. Et la note que je vais changer, il va s'agir de la septième mineure. Au lieu de jouer une septième mineure, je vais jouer une sixte majeure. Donc la sixte majeure par rapport à ma septième mineure, elle est juste un demi-ton au-dessous. Et ici au lieu de jouer un sol, je vais jouer un fa dièse. Je peux jouer de différentes manières, par exemple, je peux le jouer comme ceci. Et si je continue, ou d'une autre manière, alors cette gamme pentatonique un peu transformée, elle est utilisée très régulièrement par plein de bluesmen, Robin Ford, B.B. King, mais aussi plein d'autres. Donc on va voir que en remplaçant cette septième mineure par cette sixte majeure, eh ben on va tout autant sonner blues. Si je prends un plan comme ceci et que je remplace ma septième mineure par une sixte, ben je vais avoir une autre couleur, mais une autre couleur qui ne va pas dépareiller par rapport à ce que je vais jouer et qui va très bien sonner dans le contexte. Donc on peut s'amuser à trouver des plans et à les faire sonner en jouant autour de la tonique, la tierce mineure, cette sixte majeure. Ça a très bien sonné si je joue la sixte majeure et la tierce mineure et que je résous sur ma fondamentale. Et après, je peux toujours utiliser d'autres techniques de blues, notamment jouer sur la tierce mineure et tierce majeure. Et comme ça, je peux tirer sur ma tierce mineure pour aller jusqu'à la tierce majeure ou pas. Évitez d'enchaîner la sixte majeure et la septième mineure. Dans l'état, ça va
pas, alors il y a pas vraiment d'interdiction stricte, mais ça va un peu moins bien sonner, en tout cas ça sera un peu moins dans le style. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, etc., à partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, faites de la musique.